Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. J'espère que tout le monde va bien et que vous êtes tous en bonne santé. Je tenais à souhaiter la bienvenue à tous mes abonnés, tous les nouveaux abonnés aussi, toutes les personnes qui regardent mes vidéos. Bon, je vous demande seulement de mettre un pouce et de vous abonner. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouvelle vidéo concernant la bibliothérapie, ces livres qui nous font du bien, qui nous nourrissent en profondeur, et à la lecture de ces livres, on sort toujours avec une morale bien définie et qui va nous accompagner durant toute notre vie. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un monument de la littérature mondiale. Ben, si je vous dis Sherazade, si je vous dis Shahrayar, Aladdin, Ali Baba et les 40 voleurs, Ouvre-toi Sésame. Eh ben oui, vous allez me dire les mille et une nuits. J'ai toujours trouvé que cette œuvre était un ensemble de romances extraordinaires. Et la base des mille et une nuits, c'est l'histoire de Sherazade qui va conter des histoires à Shahrayar pour sauver sa vie et la vie des femmes de sa contrée. Cette œuvre extraordinaire est un recueil de contes datant de 1000 ans. Et c'est l'œuvre la plus traduite au monde après la Bible. On a longtemps cherché leurs origines, mais on a su que c'est des contes qui se transmettent oralement, dans un langage familier, fantastique, féerique, très poétique, traduit au départ du perse et inspiré d'origines inconnues. Ces contes ou ces histoires ont toujours un sens, une morale à la fin. Si on prend l'histoire de Shahrayar par exemple, qui prend chaque jour une épouse qu'il fait exécuter le lendemain, après la tromperie de sa favorite, donc là, Shahrazad va demander à affronter le sultan pour rétablir le droit des femmes, parce que son père le vizir n'a pas su ou n'a pas pu le faire. Donc Shahrazad va raconter chaque nuit une histoire sans fin, pour sauver la population et pour arrêter cette violence dirigée contre les femmes. D'un autre côté, ce qu'on peut dire, c'est que Shahrazad a été un précurseur des feuilletons qui se terminent par un suspense intense. Et on est obligé à chaque fois d'attendre le prochain épisode pour connaître le fin mot de l'histoire. Là, c'est une simple parenthèse, mais là, je voudrais revenir sur le fait que cette œuvre va nous instruire. Elle est là pour nous donner à réfléchir de manière sociale, politique, artistique, parce qu'il y a toujours à la fin un message important qui nous donne à réfléchir. Parce que ça parle beaucoup d'injustice et de justice, donc il y a toujours cette notion du bien et du mal. Et cette merveilleuse œuvre nous fait comprendre aussi que les gens qui transmettaient ces contes, c'est-à-dire les conteurs, comme les troubadours en Europe par exemple, ils étaient de véritables psychologues. Ils traduisaient par leurs contes et ils racontaient tous les mots de la société, les mots M-A-U-X. Et dans ces contes-là, donc, ils essayaient de raconter, mais pas seulement, mais à la fin, ils donnaient une morale. Et de ce fait, ils essayaient de donner une solution aux personnes qui étaient dans la même situation. Alors, si on prend l'exemple de l'histoire d'Aladin et la lampe magique, et le génie qui sort de cette lampe après des années, des centaines d'années ou des milliers d'années où il a été enfermé, il sort dans un état de haine totale et il va être d'une méchanceté incroyable avec Aladdin au début, mais au fur et à mesure qu'il est face à Aladdin, qu'il est face à une personne généreuse et gentille, il va se transformer. Alors les thérapeutes expliquent ce comportement par un enfermement, c'est-à-dire si on est enfermé avec soi-même, ça va donner naissance à un être qui est totalement asocial, mais si cet être, par exemple le génie, qui est accompagné par une personne positive, généreuse, qui s'occupe de lui comme Aladdin, et va l'orienter plutôt vers l'amour, l'apaisement, la sérénité, ce monstre, ce génie, cet être asocial, va se transformer et va passer du monstre, du génie méchant à l'humain équilibré.
Oui, je suis d'accord avec les thérapeutes. Cette façon de voir les choses, moi, je la trouve très, très, très intelligente. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Mais c'est vrai que quand on sort d'un conte, d'une histoire qui est vraiment profonde, parce que ce ne sont pas des contes légers, pas du tout. Il y a toujours une profondeur là-dedans et chacun va sortir avec sa morale. Alors, donnez-moi votre avis si vous avez une autre façon de voir les choses. On a toujours cherché l'origine de ces contes, mais on n'a vraiment jamais eu quelque chose de très très précis. On est remonté jusqu'au 9e siècle où il y a eu certaines ébauches d'écriture de ces contes qu'on a retrouvées en Turquie et ils ont été rédigés au 15e siècle. Après, bien sûr, ces contes vont être introduits en Europe et en France plus précisément par Antoine Galland au XVIIIe siècle. C'est un orientaliste, un professeur au Collège Royal, un érudit qui va être subjugué par ces contes, il va tout faire pour les traduire. C'est vrai que des contes qui parlent de génie, de tapis volant, de lampes magiques, c'est extraordinaire, on est envoûté. Et ça fait travailler notre imagination. Et comme on sait que tout commence par l'imaginaire et finit par le réel, donc c'est des contes d'une extrême beauté, d'une extrême profondeur. Alors comment ces contes qui viennent de contrées lointaines vont devenir un succès planétaire, phénoménal et fulgurant? C'est à travers et grâce à Antoine Galland qui il va traduire l'histoire de Sindbad, le marin. Et il va se procurer le manuscrit en entier. On va lui envoyer d'Alep en Syrie. Et pour adapter sa lecture à la noblesse française, ce dernier va effacer toutes les scènes érotiques. Il a remplacé aussi les poèmes par des scènes d'action parce qu'il trouvait qu'à la cour française, on aimait plutôt l'action plutôt que ces poèmes qui ne pouvaient pas vraiment traduire parce qu'ils étaient très très forts dans leur langue originale. Et le succès a été tellement phénoménal que cette œuvre a influencé tous les arts, que ce soit l'art pictural ou l'art musical, qui va se traduire par les œuvres magnifiques de Nicolas Rimsky-Korsakov, qui ont été composées en 1888, comme Mille et une nuits et Scheherazade. Et cette influence va donner lieu à l'orientalisme qui va influencer tous les arts. Donc le lectorat français va être friand de ces contes magnifiques, donc ils vont demander à Antoine Galland plus de contes, plus d'aventures. Mais ce dernier n'a plus rien, il n'a plus rien à leur offrir. Quelques temps plus tard, il sortira Aladdin et Ali Baba et les 40 voleurs qui ne figurent pas dans le texte original. Et on va savoir plus tard qu'un certain Henna Dieb, qui est un conteur maronite d'Alep d'origine syrienne, qui lui aurait raconté des histoires authentiques, des contes arabes mythiques. Et on saura qu'il lui a raconté en fin de compte 14 histoires que Antoine Galland va insérer dans les Mille et une nuits. Et après de longues recherches, Henna Dieb vient d'être réhabilité comme le conteur de Aladdin et de Ali Baba et des 40 voleurs. Alors la morale de tout ça, c'est que la littérature, si elle est bien écrite et bien orientée, peut changer l'intérieur des personnes, la façon de voir le monde en général. On vient de savoir aussi que la fin des contes de Scheherazade et Shahriyar ne s'est pas terminée comme l'a dit Galland, mais en fin de compte, Shahriyar n'est pas tombé amoureux de Scheherazade, mais il est tombé amoureux de lui-même. C'est-à-dire que avec les contes de Scheherazade, il a ouvert les yeux sur le bien et le mal. Et Scheherazade va l'aider sur son chemin de rédemption d'une manière douce et intelligente. Elle a su l'émouvoir en plusieurs nuits et plusieurs jours pour qu'il trouve cette lumière. Et à la fin, bien sûr, des contes, il va la trouver. C'est cette lumière par rapport à lui-même.
Et donc la traduction a enlevé ce côté poétique qui est très très important dans la compréhension de ces contes profonds. Voilà mes chers amis, j'ai vu une émission très inspirante sur les mille et une nuits sur Arte. J'ai beaucoup aimé, donc ça m'a vraiment inspirée pour que je puisse faire cette vidéo et qu'on puisse en parler entre nous. Vous pouvez m'envoyer des commentaires pour me dire ce que vous en pensez. Je vous laisserai le lien pour l'émission si vous voulez la voir. Donc, mes chers amis, si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis au revoir et bonne lecture.